Bonjour. Dans cette vidéo, on va résoudre des exercices sur la pente d'une droite. Et juste pour rappel, la pente d'une droite, ça nous permet de mesurer l'inclinaison de cette droite. Alors quelle est la définition de la pente Eh bien, la pente, on a vu que c'était la variation de y divisée par la variation de x. Alors pour commencer, on va s'intéresser à la droite petit a. Petit a. On nous donne deux points ici. Un premier point qui a pour coordonnées 3. 6 et ce point ici qui a pour coordonnées moins 1, moins 6. Moins 1, moins 6. Alors on a deux façons de déterminer la pente de cette droite, soit par le calcul, à l'aide d'une formule, soit graphiquement. Par le calcul d'abord, on cherche à déterminer la variation de y par rapport à la variation de x. Et on connaît déjà cette formule, c'est aussi égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins 1 X1. Alors qu'est-ce que c'est que la variation de y ici Eh bien c'est de combien y varie quand on passe de ce point à ce point. Alors là on voit qu'on était à moins 6 à notre point de départ et qu'on était à 6 à notre point d'arrivée. On peut donc écrire que la variation de y eh c'est le y de notre point d'arrivée, c'est-à-dire 6, moins le y de notre point de départ, c'est-à-dire moins 6. Alors même chose pour les x, cette fois on a x2 moins x1, c'est-à-dire le x de notre point d'arrivée. 3 moins le x de notre point de départ, moins 1. 3 moins moins 1. Et donc ça, c'est égal 6. Moins moins 6, ça fait 6 plus 6, ça fait 12. 3 moins moins 1, 3 plus 1, ça fait 4. Et ça, on voit que ça se simplifie en 3 sur 1, ce qui est égal à 3. Alors on aurait aussi pu trouver ça graphiquement. Pour passer de ce point à ce point, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se déplace d'abord de 1. 1, 2, 3, 4 pour les x. On a une variation de x de plus 4. Et on se déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour les y. On a une variation de y de 12. Et on voit qu'on retrouve bien ces valeurs-là. On arrive bien à la même pente. Alors la pente, qu'est-ce que ça nous indique concrètement eh Bien, c'est plus évident de lire ça sur cette fraction-là. Ici, on lit que pour toute variation unitaire de x, à chaque fois que x varie de 1, eh bien y varie de plus 3. Et on voit bien ça sur la droite quand x varie de 1, y varie de 1, 2, 3. Quand x varie de 1, y varie de 1, 2, 3. Et si x varie de 2 cette fois, eh bien x varie de 2 fois plus ici, eh bien y varie de 2 fois plus aussi, donc 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça correspond bien à une pente de 3, c'est-à-dire que y augmente de 3 quand on augmente x de 1. Alors, essayons la même chose, mais avec la droite petit b cette fois. Même chose, on nous donne deux points ici, mais vraiment on aurait pu utiliser n'importe quel point de la droite. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne On nous donne d'abord le point moins 6, moins 2, et on nous donne aussi le point 0, 1. Quelle est la variation en x d'abord Et bien, si on dit qu'on veut passer de ce point à ce point et qu'on veut commencer par se déplacer vers la droite, et bien, x varie de 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se déplace de 6 vers la droite, ça veut dire que x varie de plus 6. Mais si on n'avait pas le graphique, on aurait aussi pu trouver ça à l'aide de nos points ici. Si on applique cette formule ici, et bien, la variation en x, c'est égal à x de notre point d'arrivée, c'est-à-dire 0. Moins le x de notre point de départ, c'est-à-dire moins 6. 0 moins moins 6, ça fait bien plus 6. Pour le y maintenant, eh bien le y de notre point d'arrivée, c'est 1, moins le y de notre point de départ, moins 2. 1 moins moins 2, ça fait 3. Et là, on voit bien que quand on se déplace de 6 vers la droite, eh bien on monte de 3. C'est bien une variation de y de plus 3. Donc y varie de 3 quand x varie de 6. Et ça, si on simplifie, bien, ça nous donne une pente de 1 demi. Alors parfois on s'en mêle un petit peu, hein, on ne sait pas si on doit soustraire le moins 6 au 0, ou le 0 au moins 6, et de ce côté pour les y si on doit soustraire le moins 2 au 1 ou le 1 au moins 2. Et en fait, ça n'a pas d'importance tant que tu appliques toujours la même règle pour x et pour y. Peu importe quel point on choisit comme point d'arrivée ou comme point de départ, tant qu'on reste consistant dans notre calcul. Par exemple, on aurait très bien pu faire la variation y divisée par la variation de x égale moins 2 moins 1 divisé par moins 6 moins 0, ça ça nous donne moins 3 sur moins 6, c'est-à-dire qu'on se répartit de ce point pour arriver à ce point, mais tu vois que ça nous amène à la même pente, parce que si on simplifie ça, eh bien on trouve bien une pente de demi L'important c'est donc que si tu utilises ce y d'abord, comme on a fait ici, eh bien, il faut aussi que tu utilises ce x en premier, comme on a fait ici. Si tu décides d'utiliser ce y d'abord, comme ici, eh bien, par contre, il faut aussi utiliser ce x d'abord, comme on a fait ici. Donc comment est-ce qu'on interprète ça ici, le moins 3 sur moins 6 Eh bien c'est qu'à chaque fois qu'on se déplace de 6 vers la gauche, comme ceci, c'est-à-dire une variation de x de moins 3, eh bien on descend de 3, c'est une variation de y de moins 3. Et c'est la même chose que de dire que la pente de cette droite c'est 1 demi, ce qui nous dit qu'à chaque fois que x varie de 2, y varie de 1, à chaque fois que x varie de 2, y varie de 1. Et là tu as peut-être remarqué ici que une droite avec une pente de 1 demi, comme la droite B, et eh bien c'est moins pentu, c'est moins incliné qu'une droite avec une pente de 3, comme la droite petit a. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour la droite petit c maintenant Alors, disons que le point de départ, au hasard, c'est celui-ci. C'est le point qui a pour coordonnées moins 1, 6. Et disons que le point d'arrivée, c'est celui-ci. C'est point de coordonnées 5, moins 6. Alors, la pente, c'est donné par la variation en y divisé par la variation en x. Alors ici on va servir des coordonnées des points et on va appliquer la formule qu'on connaît. Donc pour la variation de y, eh c'est le y du point d'arrivée moins le y du point de départ. Et pour la variation en x, eh c'est le x du point d'arrivée moins le x du point de départ. Et ça, on utilise les coordonnées. Le y du point d'arrivée, c'est moins 6, moins 6, moins 6, divisé par le x du point d'arrivée, 5. Moins le x du point de départ. Moins 1, 5, moins, moins 1. Ça, ça nous donne moins 12 divisé par 6. Et ça se simplifie, ça fait moins 2. Tu remarques qu'on a maintenant une pente négative. C'est parce que quand x augmente, on diminue par rapport à l'axe des ordonnées. C'est une droite décroissante. Quand x augmente, y diminue. C'est pour ça qu'on a une pente négative. Alors, par contre, cette droite ici, la droite petit D, elle a l'air d'avoir une pente positive. Vérifions ça. Pour la droite petit D, donc, la pente, c'est égal au déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Ça c'est la même chose que de dire la variation en Y divisé par la variation en X. Alors de combien est-ce qu'on se déplace verticalement quand on passe par exemple de ce point à ce point Eh bien il nous suffit de compter, on monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. On monte d'abord de 6. On a donc un déplacement vertical de 6. Et de combien on se déplace horizontalement Eh bien, de 1, 2, 3. 4, 5, 6, on se déplace horizontalement de 6 aussi. 6 sur 6, ça fait 1. Ça veut dire que quand x varie de 1, y varie de 1 aussi. Quand x varie de 1, y varie de 1. Quand x varie de 1, y varie de 1. Si x varie de moins 2, x varie de moins 2. Et bien y varie de moins 2 aussi. Peu importe ce qu'on fait pour les x, on va faire la même chose pour les y. Et si on voulait trouver ça par un calcul, eh bien, il nous aurait suffi de choisir deux points. Un point de départ, par exemple ce point-ci, qui a pour coordonnées moins 2 moins 4. Et un point d'arrivée, par exemple celui-ci, qui a pour coordonnées 4 2. Il nous aurait suffi d'appliquer cette formule. La variation en y divisée par la variation en x, c'est égal au y du point d'arrivée 2 moins le y du point de départ, moins 4, divisé par le x du point d'arrivée, 4, moins le y du point de départ, moins 2. 6 sur 6, ça fait bien 1. Alors on a un dernier graphique ici qui a l'air plutôt intéressant. Alors la pente de la droite petite e. La variation de Y d'abord, quand je veux passer de ce point à ce point, et puis il me suffit de compter, j'augmente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai une variation de 8. On peut aussi lire les coordonnées, on passe de moins 6 à 2 et ça nous permet donc bien d'arriver à une distance de 8. La variation en Y, c'est donc 8. Quelle la variation en X maintenant Alors à ce point, X vaut 4. Et à ce point, x vaut aussi 4. x ne varie pas. La variation de x, c'est donc 0. Et ça, ce n'est pas possible. La pente de cette droite est donc indéfinie. On ne peut pas calculer la pente de cette droite, puisqu'on est dans le cas d'une droite verticale, c'est-à-dire une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Alors pour finir, la droite petit f maintenant, c'est une droite qui a l'air un peu plus classique. On nous donne deux points, ici... Et là, alors on a le point de coordonnées 3, 1, et le point de coordonnées moins 6, moins 2. Au hasard, on dit qu'on va partir de ce point-là, mais encore une fois, on pourrait très bien partir de ce point-là, ça n'a pas d'importance. Alors, la variation de y, d'abord, eh bien, on sait que c'est le y de notre point d'arrivée, moins 2, moins le y de notre point de départ, moins 1, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. On descend donc. De 3 pour commencer. Ensuite, on se déplace vers la gauche. Mais de combien Eh bien, la variation en x, c'est le x de notre point d'arrivée, moins 6, moins le x de notre point de départ, 3. Moins 6, moins 3, ça fait moins 9. On se déplace donc de 9 vers la gauche pour retrouver ce point. Moins 3 sur moins 9, ça nous dit que à chaque fois qu'on se déplace de moins 9 vers la gauche, eh bien, on descend de 3. Et ça, c'est égal à 3 sur 9. Et qu'est-ce que ça nous dit 3 sur 9 Ça nous dit qu'à chaque fois qu'on se déplace de 9 vers la droite, eh bien, on monte de 3. Ça, ça nous donne une pente de plus 1 sur 3. C'est une droite croissante qui va vers le haut. À chaque fois qu'on se déplace de 3 verticalement, on se déplace de 1 horizontalement. Voilà, je te remercie pour ton attention et j'espère que tu es un peu plus confortable avec la notion de pente.